qui beaucoup de monde y connaît comme PMC, qui peut administrer ben la case qui dit monde pas encore acheté et y a encore propriété gouvernement. PMC, tu aussi fait bon travail pour garder sa bonne loi propre et aussi fait bon travail maintenant c'est sa bonne loi. L'État qui PMC tu vient en existence le 1er octobre 2004, il tient la responsabilité pour administrer et maintenir 3000 sa bonne la case, inclus bonne la case qui travaillait étranger, qui travaille avec gouvernement et rester là-dedans. Ministère développement national dit, avec l'introduction Home Ownership Scheme en 2005, sa programme que du monde est capable d'acheter sur la case, gouvernement qui vend une quantité de la case, et là, à présent, il reste moins que 15 ans. Ça y fait que sa quantité de travail qui PMC tient en il a présent réduit. Et gouvernement, il voit qu'il est pas rentable pour lui continuer à fonctionner comme l'organisation de lui tout seul. Une décision, une grève pour en parler en lien avec la structuration que le gouvernement peut faire actuellement, pour mener un petit peu de synergie, de façon que nous faisons nos opérations. Et récemment, avec l'introduction de Hadi Scheme, ou Ownership Scheme, qui le gouvernement a introduit, beaucoup de la case qui PMC, qui peut manager avant, qui peut maintenir, occuper, ainsi de suite, qui peut les soulever. Une grève transfert avec un individu, pour se faire une maintenance, by un house purchase agreement. So, volume qui PMC tu peux dire avec, il réduit en quantité. So, nous allons faire une quantité sens qui HFC, dans un grand portfolio avec management, loan la case, il fait sens qui s'allie, il merge ensemble. Et nous avons un seul l'organisation qui administre, qui manage ben la case, qui nous allocate avec du monde. Sassasement, il finit prend les faits depuis les premiers mois. PMC et HFC t'y créé pour autres continuer sa même fonction qui est SHDC t'y peut faire, mais chacun t'y a son responsabilité et l'objectif séparé. PMC t'y prend bonne fonction pour donner la case, zérer et entretenir, tandis que HFC t'y prend rôle pour faire l'application et donner loan pour du monde construire autres propres la case. Et construction la case se transfère avec ministère développement national. Et là, avec changement qui n'en a que de bonne fonction PMC une transfert avec HFC, il fait qu'il n'est pas l'organisation à présent. Et mon croix, avec ressources limitées qui n'en a comme là, les temps nous pensons à des organisations nous mettre ensemble, il y a plus facile pour nous harmoniser tout quelque chose et en retour pour nous donner plus bon service. Les temps, tu as un HFC ou tu as un PMC en même temps, tu as un seul managing director qui peut voir le PMC et HFC. Et là, présent, là, l'étant mis là, by sale roof. Là, présent, qui nous annonce, nous, c'est qui nous connaît, c'est le managing director, qui sont full team on board. Et l'organisation qui plus slim. Et, nous mettons ça dans les ressources ensemble pour nous avoir des gens qui sont available. Par exemple, auparavant, peut-être le côté chef, si visite, pas nécessairement, peut-être qu'il fait pareil, nous, tu souhaitais. Mais là, l'étant, nous mettons des ressources ensemble, harmoniser les ressources. Même les spectateurs qui sont pour PMC, nous servir, pour aller faire visite pour HFC. Et moi, je crois que quelque chose va beaucoup plus vite. Moi, je crois que les spectateurs vont voir ça changement très bientôt. Le fait qu'il y ait une fonction PMC qui est administrée et guidée par la loi, là qui n'est plus existé, c'est la loi pour gagner abolie. M. Christian Lyonnais a annoncé que le gouvernement pour continuer des masses pour permettre ces lois à ses autres propres cases. Et bientôt, pour un nouveau programme appelé Housing Saving Scheme qui est pour lancer. Le ministère de développement national, en collaboration avec HHC, par travail, un plan d'action pour nous capables de responsabiliser les gens un peu plus. Pour rendre les gens, faire les gens pour un peu plus de responsabilité envers les gens pour éviter la vie. Et heureusement, clairement, il y a une priorité la vie. Pendant ce prochain mois qui vient là, nous permettons un scheme en place qui nous appelle Home Saving Scheme, qui nous pour aider et encourager les gens à contribuer envers les logements, même avant qu'ils gagnent les logements. Donc, comme tu déjà annoncé ça l'année passée, mais nous avons finalisé en détail, et once qu'il s'est finalisé, et qu'il y a une approbation au gouvernement, nous sommes capables de venir devant les médias pour annoncer en détail.